Nous sommes la génération identitaire. Nous sommes la génération de ceux qui meurent pour un regard de travers, une cigarette refusée ou un style qui dérange. Nous sommes la génération de la fracture ethnique, de la faillite totale du vivre ensemble, du métissage imposé. Nous sommes la génération de la double peine, condamnée à renflouer un système social trop généreux avec les autres pour continuer à l'être avec les nôtres. Nous sommes la génération victime de celle de mai 68, de celle qui prétendait vouloir nous émanciper du poids des traditions, du savoir, de l'autorité à l'école, mais qui s'est d'abord émancipée de ses propres responsabilités. Nous avons fermé vos livres d'histoire pour retrouver notre mémoire. Nous avons cessé de croire que Kader pouvait être notre frère, la planète, notre village et l'humanité, notre famille. Nous avons découvert que nous avions des racines, des ancêtres et donc un avenir. Notre seul héritage, c'est notre terre, notre sang, notre identité. Nous sommes les héritiers de notre destin. Nous avons éteint la télévision pour descendre à nouveau dans la rue. Nous avons peint nos slogans sur les murs, scandé la jeunesse au pouvoir dans nos mégaphones, brandi bien haut nos drapeaux frappés du lambda. Ce lambda qui ornait le bouclier des glorieuses Spartiates est notre symbole. Vous ne comprenez pas ce qu'il représente ? Il signifie que nous ne reculerons pas, que nous ne renoncerons pas. Nous sommes lassés de toutes vos lâchetés. Nous ne refuserons aucune bataille, aucun défi. Vous êtes les Trente Glorieuses, les retraites par répartition, SOS Racisme, la diversité, le regroupement familial, la liberté sexuelle et les sacs de riz de Bernard Kouchner. Nous sommes 25% de chômage, la dette sociale, l'explosion de la société multiculturelle, le racisme anti-blanc, les familles éclatées et un jeune soldat français qui meurt en Afghanistan. Vous ne nous aurez pas avec un regard condescendant, des emplois jeunes et une tape sur l'épaule. Pour nous, la vie est un combat. Nous n'avons pas besoin de votre politique de la jeunesse. La jeunesse est notre politique. Ne vous méprenez pas, ceci n'est pas un simple manifeste, c'est une déclaration de guerre. Nous sommes demain, vous êtes hier. Nous sommes la génération identitaire.